Bonjour. Christopher débarqué. Les courses de produits est refaites. Notre transit de 3 jours expire. Nous larguons les amarres. Dorénavant, s'il nous arrive une avarie dans les eaux territoriales, nous devons en informer les autorités. Le capitaine décide de faire route vers le nord-est et ainsi de continuer à profiter de l'abri naturel des hautes terres de la Nouvelle-Zélande. Naturel n'a point trop fonctionné. La houle et le vent n'ont cessé de forcir. Capitaine consulte maintenant Neptune et Poséidon, ainsi que les fichiers météo reçus via le téléphone satellite. Les prédictions ne sont pas très belles. Vent jusqu'à 60 nœuds, ce qui équivaut à environ 120 km/h. Là où nous sommes situés, le capitaine préfère trouver un abri proche et laisser la tempête passer afin de reprendre la route plus paisiblement. Du gros temps, nous en rencontrerons bien assez d'ici Ushuaïa. Si nous pouvons nous passer d'une dépression, nous ne nous en porterons pas plus mal. Sur un dériveur intégral, il est agréable, comme ici, de pouvoir lever la dérive, ainsi de partir en surf sur les vagues. L'abri est vite trouvé. Dans une petite baie, c'est si calme que l'on a du mal à penser que c'est la tempête en dehors. Nous ancrons et informons les autorités de notre arrêt via la VHF. Mais ils nous demandent de ne pas rester là et de les retrouver au quai des douanes au port de Dunedin, à quelques milles de notre position. Nous voilà alors repartis les retrouver. Moteur éteint et à sec de toile, le bateau continue à filer à 7-8 nœuds, c'est impressionnant. Sur la rivière de Dunedin, aussi c'est calme. Mais une fois arrivé à quai, une drôle de surprise nous attendait. Notre ami douanier de Bluff, escorté de 3 policiers. Il n'avait pas l'air franchement très heureux de nous revoir ici. Qu'avions-nous fait de mal pour mériter un tel accueil? Des discussions enflammées commencent. Comme quoi, on aurait déjà dû être loin de leur territoire et de l'avoir prévenu avant d'ancrer. George essaye de lui expliquer, tant bien que mal, que nous sommes un voilier, que nous sommes donc tributaires du temps, de la météo. La direction que l'on prend dépend du vent, des courants. On ne leur veut point de mal. On cherchait juste un abri le temps que le mauvais grimpe. On n'a pas besoin de descendre à terre. Et nous avions enfreint les lois de son pays en ne l'ayant pas prévenu assez vite de notre décision de nous arrêter et que nous risquons alors une amende de $1000 ainsi qu'une possible immobilisation du voilier. Il nous demande de ne pas bouger d'ici avant que l'histoire ne soit résolue. Nous passerons donc la nuit à couple d'un cargo avec autorisation de descendre à terre. Le lendemain matin, le douanier revient, mais son humeur avait tout changé. On apprend que dans la nuit, un bateau s'est retourné et a perdu ses 8 hommes d'équipage. Il comprend alors que George avait bien pris la meilleure décision qu'il soit en voulant venir s'abriter. C'est seulement triste qu'il lui ait fallu une telle nouvelle pour changer de position. George se met à lui raconter ses nombreuses péripéties en mer. Le douanier repart avec le sourire et un Oscar en Antarctique, un des livres écrits par le capitaine. Il demande juste de le prévenir un peu à l'avance sur la date de notre prochain départ, sachant maintenant que les fichiers météo ne disent pas toujours vrai. Nous serons tout de même escortés d'un bateau de l'armée, voire d'un hélicoptère, afin d'être cette fois sûr que nous quittons les eaux territoriales. Nous sommes français et
l'histoire du Rainbow Warrior n'est tout de même pas si loin. De liberté retrouvée. Il y a un avion qui vient nous passer dessus et c'était pour nous surveiller. Si on était bien parti. Air Force One. C'était les Américains. Ils sont ici en Antarctique. Westland Tartex, this is Visual Air Force One. Now we're conducting a routine patrol. Have some questions for you, please. First of all, your port of departure and the date. Port of departure was Dunedin yesterday. Destination is Ushuaia, Argentina, about Christmas, New Year's Eve. Apologies, could you spell the name of the port? Ushuaia, U-S-H-U-A-I-A, Ushuaia. That's copied, thank you very much. Can I take the skipper's name and the number of persons on board, please? Diego passera peut-être. Là. Me vient à l'esprit et me laisse songeur. Aurait-il mieux fallu affronter la tempête que ces problèmes terriens ?